Gamer et Gamer, c'est Landoff, bienvenue pour cette vidéo. D'abord, ce sera une vidéo excuse et de test, parce que là, en théorie, vers ici, en bas de votre écran, déjà vous devrez voir la musique qui est en arrière-plan, comme ça, je ne peux plus me faire striker par YouTube, parce que j'aurais mis la musique en bas à gauche. Ensuite, bah, je vais devoir utiliser ma licence, hein, comme ça, double protection anti les strikes. Et troisièmement, il faut que je me fasse un partenariat, il faut que je me fasse un sponsor. Et donc voilà, il faut que je trouve tout ça. Donc, là, j'essaie un petit truc, c'est pour voir si la vidéo s'inquiète pas. Parce que j'ai fait des réglages, j'ai fait un peu de réglages. Parce que là, je vais utiliser OBS. Donc, c'est qui me permet d'avoir une petite, ici, l'image. C'est OBS. Et c'est grâce à OBS que je vais pouvoir filmer. Enfin, j'espère. Qui me ruine pas du tout mes FPS là, franchement je suis content parce que sur cette map, enfin si j'étais sur ça, sur cette map en flat world, comme ça je peux faire les tutos Tomcraft en flat world, parce que le premier essai que j'ai fait avec OBS comme ça, c'était sur la map que je vous ai présenté certaines choses de Tomcraft. Et c'est certaines choses, ben en fait la vidéo je vous explique, elle saccadait. Et l'avantage qu'a ce logiciel d'enregistrement, qui n'est autre que OBS, Open Broadcaster Software, l'avantage de ce truc, c'est que contrairement à Phrase, ben, je peux le mettre en 720. Deuxièmement, enfin 720p sans avoir le problème des gros gigas. Deuxièmement, bah, c'est plus facile pour moi, je trouve, à configurer. Enfin, après, il faut trouver la main. Troisièmement, je mets le truc en 30 FPS. Donc, il y aura plus de 60 FPS sur ma chaîne, plus que du 30 FPS. Parce que sur YouTube, ça ne change pas des masses, je pense, si je me souviens bien. Sinon, je dis des conneries sans doute. Hein. Ouais, quoi d'autre? Oui, donc l'avantage d'OBS, c'est que en enregistrant, eh bien, comment dire, il va direct compresser les fichiers en dossier MP4. Ça veut dire que ça va être des petits fichiers faciles de, comment dire, d'utilisation. Et voilà. Ouais, ici vous avez une petite pub Spotify. Je pense que vous l'avez remarqué. Vive les pubs Spotify. Hein. Mais bon, bref. Donc oui, j'ai pas Spotify Premium parce que je peux pas me le payer, je peux pas me permettre ça parce que c'est comme tout début, toute passion. D'ailleurs, je tiens à remercier à mes amis qui me soutiennent, je tiens à remercier à mes abonnés qui me soutiennent aussi. C'est ça fait plaisir que vous soyez là, que vous me disiez ouais, continue tes vidéos, t'as de l'avenir, on t'adore, continue tes vidéos, point. D'ailleurs, le strike, je ne l'aurais jamais remarqué si... attendez que je vais voir. Si j'ai pas mon... Un de mes abonnés qui m'a dit, c'est très le strike. Donc, j'ai remarqué ça, je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre. C'est pour ça que j'ai... Je ressors... ouais. Je ressors de... Une vidéo. C'est vraiment pour des excuses, parce que franchement, cette vidéo-là, je vais la laisser en ligne. Parce que tout, on apprend de ses erreurs. Mais je vais la laisser en ligne pour vous montrer que ce que peut faire un strike, ce que peut faire un bot. Et franchement, voilà. Enfin, c'est une erreur que j'ai fait. Je pensais franchement que ça allait pas se reconnaître, mais finalement, ça s'est reconnu. Et donc, j'en suis vraiment triste. Enfin, voilà. Enfin, bref. Je m'attarde un peu là-dessus, mais franchement, je voudrais m'excuser pour cette vidéo. Car sur un strike, je n'ai pas demandé à être striké ni rien. Franchement, je m'en excuse. Je tiens à remercier Monsieur Nocifix, c'est lui qui m'a dit que j'avais eu un strike. Et donc voilà, j'espère que ça va aller mieux. Ah, ouais, vous connaissez mes chats, hein, ils s'amusent à miauler quand je suis là. Enfin bref, franchement, je tiens à remercier tous mes 50 abonnés. Donc cette vidéo en partie, ça va être pour parler de ça. Bah, je voudrais remercier Override78, Techno Soldier. Athena TV,
Ah oui. J'ai même des gros abonnés qui me suivent. Donc des gros youtubeurs qui me suivent. À Margot, à Gwen, à Mini Lulu, à encore une Margot, à Sullivan, à Ekibo, à Dylan, à Ryan le Noob, à Auton, je ne sais pas prononcer ton nom de famille, désolé, et je ne m'adresserai pas par souci de confidentialité. Wikos Gaming, Saphir Alpha, Emeric, une chaîne fermée, d'accord, pourquoi pas. Kevin Ferron, Jérôme, Marie-Rime Tuto, Delix, De Lucas, Timmy, Dixties, Totucraft, Thomas Soler, Mini Héberto, Pixel, Joy, Mister Cartache, Maxi Million, Scroderzouir, le Red Sonner in Minecraft, Arnaud Baron, Rafazak Gaming, BESJD, Apix HD, Fasti, Guy, Light Team, Julien Moussel, De Sebacle et Tristan. Franchement, je tiens à vous remercier tous de m'avoir follow. Donc là, il n'y a pas 50 personnes, mais c'est les 50 personnes qui ont accepté en s'abonnant à montrer que ce soit publiquement affiché. Donc chez moi, je le vois, vous le verrez pas. Donc nous allons regarder les petits messages Facebook. J'en ai pas encore à spam potentiel. Bah oui, pardon, j'ai de. Ouais, bon. Voilà, ça. Franchement, je tiens franchement à vous remercier. Enfin, je remercie à mes vieux potes Number 6 X Gaming. Je me souviens plus de ton nom. Je me souviens qui t'es. Parce que j'ai joué avec toi, mais je me souviens plus de ton pseudo in-game, désolé. Mais franchement, merci par exemple du conseil qui m'a dit, écarte ton micro de ta bouche. C'est désolé si vous entendez fort ma voix, c'est juste parce que en fait c'est le début. Et comme dans tout début, on fait des erreurs et ainsi de suite. D'ailleurs, mon erreur que je fais là, c'est de ne pas avoir une comment ça s'appelle? Push to talk. Donc voilà. Donc voilà, enfin, je tiens à vous remercier pour les conseils que vous me donnez, pour les astuces que vous me donnez, pour les encouragements, parce que ça, on n'en reparlera jamais assez. Les encouragements, franchement, c'est ce qui va me faire vivre. C'est ce qui va faire vivre ma passion d'être youtubeur, d'être passionné. Voilà, ouais. Je peux, par moment, je vais faire des petites putaclics, je ne sais pas si vous connaissez. Ben, en fait, je vous explique vite fait le principe. Qu'est-ce que sont les putaclics? C'est quand on vous demande de vous abonner, de partager, de liker. De commenter, ainsi de suite. Enfin, ça, c'est du putaclic. D'accord, j'en ferai. Peut-être à toutes les vidéos. Mais je vais le faire à la fin. Mais, juste une condition. C'est que moi, je vais vous dire, abonnez-vous si vous voulez. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Likez si vous voulez. Commentez si vous voulez. Mais, like, un commentaire et un abonnement, c'est ce qui va me montrer que vous aimez. En partie, parce que si vous vous abonnez, ça veut dire que vous aimez le contenu. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Et franchement, j'espère que le futur contenu aussi vous plaira. Franchement, je vais jamais vous dire assez merci pour tout ça. C'est un petit peu une vidéo vlog parce que tout de suite après, si cette vidéo ne rame pas trop, s'il n'y a pas trop de soucis, parce que là en fait, je commence petit à petit. Vous voyez, j'ai le petit stade là où je filme avec. OBS tranquille et la musique que vous voyez toujours ici, ici avec la musique qui est toujours ici parce que ouais, je peux pas si je sors de l'écran de Minecraft. Voilà, vous voyez plus la souris donc c'est un début. Je commence franchement, je commence petit à petit comme ça. J'évolue avec le temps. Vous me donnez conseil pour que je continue à évoluer. J'écouterai toujours ma communauté. Bon, c'est vrai qu'après, à un certain moment, passer à certains stades, je ne saurais pas toujours lire la
l'entièreté des commentaires ni des conseils. Franchement, j'en suis déjà désolé d'avance, même si je sais très bien que cette communauté va se construire petit à petit, et j'aimerais bien la construire avec vous pour ensuite, je vais pas dire vivre de ma passion, mais de vous apporter de ma passion, de vous apporter un petit peu de bonheur, un peu de nouvelles, de nouveautés, un peu de nouvelles informations. Et donc voilà. Enfin, franchement, je vous remercie. Je vais jamais vous remercier assez. J'ai l'impression que ça sonne pas français en fait cette phrase. Bon, vous me direz dans les commentaires. Hashtag putaclic. Mais non, franchement, je vais jamais vous remercier assez. Bah si, en fait, ça se dit. Je sais pas pourquoi je dis que ça se disait pas, mais bon. Je suis con, vous voyez. Franchement, je suis un jeune adolescent qui a pour passion créer des choses, faire du contenu YouTube. Et c'est ça, franchement, c'est ça que j'aimerais bien faire. Enfin, bah, c'est ma passion, donc voilà. Franchement, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai investi, bon. Franchement, je vais pas vous le cacher. J'ai investi, en guillemets, enfin, une centaine d'euros pour avoir ce matériel qui est mon filtre anti-pop, mon micro et mon bras de micro. D'ailleurs, à propos de ça, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de ça. Franchement, je suis vraiment content de la qualité des services de Amazon et de Woodbrass. Les liens sont dans la description de ce que j'ai acheté. Donc en fait, je me suis acheté, en guillemets, un bête micro, un Eagleton UM30, le Eagleton UM30. Donc UM30, c'est pour dire, je suppose, USB. USB, parce que oui, je le branche en USB à mon ordi. Parce que sinon, si j'avais pris un autre micro, le problème que j'avais, c'était que c'était un câble XLR. Et pour un câble XLR, je pense qu'il faut, enfin, hormis s'il y a un adaptateur, mais je pense qu'il faut une table de mixage. Donc je vais pas me payer encore une table de mixage en plus. Enfin, je dis pas ça, mais peut-être que par la suite je le ferai pour un peu mieux régler les sons et tout ça, pour que, genre, la musique, elle soit quand même tamisée, on va dire, ainsi de suite. Enfin bref, je parle pour rien à dire. De base, c'était une vidéo qui devait durer 2 minutes, 2-3 minutes pour tester, pour voir si ça fonctionne. Mais bon, enfin bref. Donc voilà, c'est tout. Donc dans la description, de toute façon, vous aurez mon filtre anti-pop qui m'est utile quand même. Et franchement, j'étais surpris. Attendez, je commande sur Woodbrass, donc c'est un site où on peut acheter micro et plein de trucs comme ça. Enfin, voilà. Et franchement, j'ai été surpris pour, en guillemets, bête filtre anti-pop. L'emballage était carton, quoi. Il était vraiment, il y avait une épaisseur de, on va dire, en gros, l'emballage, il faisait genre 15 cm sur une bonne trentaine, pour voire cinquantaine, vu là, ouais, parce que j'ai toujours la boîte. Ouais, hop, oups, pardon. Ouais, genre, allez, on va dire 30 sur 60, donc 30 de large sur 60 de long. Et genre 20 cm d'épaisseur, quoi. Donc franchement, la hauteur, et dedans il y avait du papier bulle, il y avait du papier bizarre, on dirait des sacs poubelles en noir, mais bon, bref. Donc voilà, que je vous l'ai dit, je vous remercierai jamais assez. Je vous aime, je vous adore, merci, juste un grand merci pour ce que vous me faites m'endurer comme joie. Merci pour toute la joie que vous me donnez. Enfin, je me la donne moi-même, parce que c'est moi qui aime faire des vidéos, et j'aime bien quand j'aime bien faire quelque chose, j'aime bien, voilà, ma passion, quoi. Vous voyez? Oh, putain. Bon, pardon d'ailleurs pour ça. Bon, je pense que je vais pas m'éterniser là-dessus, hein. Quand même, c'est de base une vidéo test, donc je verrai bien si elle se fait striker. Si elle se fait pas striker, c'est nickel. Si elle se fait striker, ah ben, je l'aurai mauvaise. Mais de toute manière, je trouverai toujours le moyen de contourner ça. Donc voilà. Donc en description, vous aurez. D'ailleurs, je vous mettrai la liste, ma playlist. Parce qu'en fait, c'est une playlist qui a des streamers que je suis. Donc PA. Enfin, Domingo alias PA. Plus connu sous le pseudo de PA. Parce que Pierre Lexi. Donc c'est la broliste de Pierre Lexi.
Bizo sur Spotify. Donc comme ça, vous pouvez checker. Il y a combien de têtes déjà? Attendez que je regarde. Il y a 240 têtes, donc 15 heures et 14 minutes de musique. Oh! Voilà, donc c'est bien. Explicite. Donc voilà. Enfin bref. Donc vous aurez tout, tout dans la description. Donc mon micro, mon bras de micro. D'ailleurs, franchement, j'ai eu peur. Mon bras de micro. Parce que j'avais peur, parce que vu le poids du micro en lui-même. Voilà. Mais bon, c'est un micro qui me plaît relativement bien. Donc voilà. Enfin, je suis content de mon achat, je suis pas déçu. On va voir s'il tient la route, hein. Bon. Je pense que je vais m'arrêter ici. Parce que sinon, ça va être un peu long pour vous, en fait. Parce que c'est vraiment une vidéo parlotte, quoi. Il n'y a aucun gameplay. Que dalle, c'est juste une vidéo parlotte. Donc, je crois que je mettrai une petite annotation. Ou bien. La première ligne de la description, ça va être. Audio, juste l'audio est important. Ou bien dans un truc. Donc, ça va être une. En fait, on peut pas appeler. Enfin. Je vais dire une vidéo information parce que je ne sais pas comment l'appeler. Enfin, de temps en temps, vous en aurez une, mais pas, faut pas non plus que ça soit barbant. Enfin, d'ailleurs, j'aimerais bien lancer une série. Bon, je vais vous en parler tout de suite alors, comme ça, au moins il y a. Ok. Voilà. Parce que ça va être, je crois que ça va être une de mes vidéos les plus longues, n'empêche. Pardon. J'ai dû vous tuer les oreilles là. Oui, je voudrais vous parler d'une série concept. Je ne sais pas si ça existe. Mais faire entre guillemets journal des jeux vidéo ou bien où je peux inviter quelques youtubeurs, quelques joueurs à ces jeux vidéo là pour débattre, pour parler de ces jeux vidéo là. Bon, d'accord, là en fond il y aura pas grand chose, mais enfin il y aura juste une image du jeu, mais où on parlera avec des petites photos qui défileront. Donc il faudra que je travaille ça sur OBS, enfin suite suite, enfin bref. Donc je voudrais votre avis sur cette série parce que je pourrais débattre de beaucoup de choses comme de Fallout 4, parce que j'aimerais bien débattre un peu de Fallout 4, de Skyrim, de WoW, de Minecraft, de League of Legends, de tout. Donc voilà, enfin bref. Je vais pas m'éterniser, j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue. Sachant que c'est pour test, parce que, enfin, s'il y a merdé, que voilà. Enfin bon. De toute façon, j'ai déjà recommencé plein de fois des vidéos, donc ouais, bon. Allez, bah sur ce, je vais vous dire à ciao. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je dis beaucoup de hashtag. À quoi? Que je joue à League of Legends et que je suis une hache qui tag. Allez, salut, cette blague était nulle. Je sais très bien. Mais oui, donc ouais, je vais faire ma putaclic, hein. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter, de liker. Ah oui, d'ailleurs, n'oubliez pas de répondre à mes questions si ça vous plairait ou pas une série comme ça. Après, il faudra que je prenne contact avec certains youtubeurs. Faut quand même qu'ils m'acceptent. Enfin, qu'ils me donnent, qu'ils veulent bien, qu'ils me donnent leur aval. Et qu'ils me contactent, enfin, qu'ils me recontactent après. Faut aussi que je trouve un partenaire. Comme ça, je serai mieux. Faut aussi que, comment dire, allez. Que je trouve un sponsor, mais ça, je pense que c'est. Pas simple, mais pas compliqué de trouver un sponsor. Juste mieux. Il faut juste que. Bah, que j'ai quelques milliers de vues. Enfin, bref. Non, enfin, ces questions-là, non. On les laisse en suspens. J'en ai pas besoin maintenant. C'est ma passion. Point. Pas un travail. J'aime ce que je fais. Point. Je le dirai jamais assez, ça non plus. Parce que. D'ailleurs, petite anecdote. J'ai des amis sur Facebook qui m'ont demandé. Ouais. Oh, tu vas faire de la musique. Non, 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 je suis podcasteur, enfin pas podcasteur, mais je suis youtubeur, je vais faire des vidéos sur des jeux vidéo, yes, quoi plus de normal, je sais qu'il y a des milliards de personnes qui le font, mais c'est ma passion, c'est franchement un rêve de gosse, quoi, il y a 5 ans, non, non, en fait, je vais arrêter de raconter ma vie, parce que là, oh, putain, vous devez être derrière votre écran, à vous acharner contre moi, enfin bref, bon, bah, je vais vous laisser, en fonction de la vidéo, de la qualité de la vidéo, enfin, si... Il n'y a pas. Enfin, on peut marcher en fait. Parce que s'il n'y a pas de saccade ici, vous voyez. Enfin, s'il n'y a pas de saccade ni rien. C'est chouette la vidéo. Je suis content. Mais s'il y a des saccades, je suis pas content. C'est surtout aussi pour tester ça. D'ailleurs, il faudra que je règle aussi OBS pour ça.
Bah, en vrai, là, ils me disent rien, donc normalement, ça devrait bien se passer. Oh, j'ai eu un petit freeze. Bref. Ouais, ça a dépassé 20 minutes, c'est pour ça que j'ai eu un petit freeze. Ok, pourquoi pas. Parce que, ouais, vous voyez, mes FPS, là, bon, c'est pas représentatif, parce que la vidéo sera limitée à 30 FPS, mais... Enfin, ça fait plaisir qu'il y a... Un mode, putain, mais je suis vraiment en retard, moi. Ça fait plaisir qu'il y a... qui a voilà un logiciel de film tournage comme ça. Enfin bref, bon, genre ben, moi je vais vous dire à ciao. Donc n'oubliez pas de ben, voilà lâcher un like, commentaire, pouce bleu. Ben, un like c'est un pouce bleu donc. Bon voilà. Allez genre, tchuss. J'espère que cette vidéo vous plaira. Bref. J'arrête de m'éterniser. Allez, choose peace. Je vous aime, les enfants. J'allais dire les enfants. Non, mais faut que j'arrête. Peace!